Yo tout le monde, yo les riders, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée comme toujours et je dis toujours ça, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui on commence les choses sérieuses, on va commencer à équiper cette moto qui est un CBR 1000RR pour ceux qui ont loupé la première vidéo du dépouillage de cette moto. D'ailleurs je vous invite à aller la voir, elle est plutôt cool, on s'est bien amusé, le lien est juste ici. Je pense que vous avez compris de quoi va traiter la vidéo aujourd'hui. On va parler de refroidissement, on va parler de durite. De durite de couleur parce que c'est plus stylé de couleur. On va parler aussi de ventilateur. Pour moi honnêtement tout ce qui touche au refroidissement de la moto c'est méga important. J'ai déjà démonté le radiateur comme vous avez pu le voir et le constater juste avant. Maintenant ce qu'on va faire, on va démonter toutes les durites pour les remplacer. Pourquoi on va les remplacer? Déjà pour que ça soit plus solide, qu'il y ait un meilleur refroidissement. On va aussi enlever le thermostat. Je vais vous expliquer quand on sera au moment du thermostat pourquoi j'enlève le thermostat. C'est très important de l'enlever. On n'a pas besoin. Le thermostat c'est vraiment dédié à la route et dédié pour ceux qui roulent sur la route. Sinon ça ne sert strictement à rien. Non, ça ne sert pas strictement à rien. Mais en tout cas dans mon cas ça ne sert strictement à rien. On va rajouter un deuxième ventilateur. La chance que j'ai sur cette moto c'est qu'il y a déjà deux ventilateurs, comme vous pouvez le constater. Peut-être en rajouter un troisième parce que c'est un 1000 cm3. Je ne sais pas, je vais voir. Le brancher en direct, on va plus se servir de la sonde de température. Il y aura toujours la température qu'on aura d'afficher sur le compteur. Mais on va se brancher en direct pour avoir les ventilos qui tournent H24. Autre chose que je vais faire, mais je ne sais pas si je vais le faire dans cette vidéo, je vais rajouter une pompe à eau électrique. Je ne suis pas sûr de le faire là maintenant. Peut-être qu'on le fera sur une prochaine vidéo. Déjà, j'aimerais bien tester le fait d'enlever le thermostat, changer les durites, mettre du bon liquide de refroidissement de chez Hypon et mettre les ventilos en direct et peut-être en rajouter un troisième. Et là, à ce moment-là, on verra s'il y a vraiment besoin de rajouter une pompe à eau. Sinon, que dire? Bon, bah, c'est parti, hein, première vidéo d'équipement. Voilà, toutes les durites d'origine sont enfin enlevées, les durites dégueulasses. On va pouvoir s'attaquer aux choses sérieuses et mettre des belles durites de couleur rouge de ce style-là. Ça va être plus solide et ça va mieux refroidir votre moteur. Mais avant toute chose, on va s'attaquer au thermostat, le thermostat qui est juste ici. Je ne sais pas si vous voyez, il est juste ici le thermostat, à l'intérieur de ceci. Je ne sais pas si vous verrez mieux, mais le thermostat est juste ici, dans ce petit orifice. Alors, il y en a beaucoup qui vont se demander si ça sert à quoi le thermostat. Ça sert strictement à rien. Grosso merdo, c'est une vanne qui s'ouvre et qui se ferme pour bloquer l'eau dans le haut de votre moteur pour que ça chauffe plus vite. Personnellement, je n'ai pas besoin de ça. Ça sert strictement à rien dans ce que je veux faire avec la moto. Je m'explique pourquoi. Moi, ce que je cherche, c'est que la moto refroidisse mieux, refroidisse plus vite. Le problème de ça, dans l'utilisation que j'ai de ma moto, c'est que ça fout la merde et l'eau ne passe pas forcément parfaitement. Parfois, ceci, ça peut arriver que ça déconne et ça fout de la merde. Donc, je n'ai absolument pas d'utilité pour ceci. Pour faire de la route, c'est super utile le matin quand vous voulez pas attendre. Au lieu d'attendre une demi-heure, bah, vous allez attendre 5 minutes. Moi, j'ai pas d'utilité, donc je m'en fous. Durite montée, radiateur monté, thermostat enlevé, le résultat est topissime. Bien entendu, j'ai pas eu encore l'occasion de tester la moto avec ces petites modifications, mais déjà, ne serait-ce que le look, je kiffe à mort. J'aurai déjà un meilleur refroidissement
et les durites seront beaucoup plus solides du fait qu'elles ne vont pas gonfler. Donc vraiment c'est top. Hâte d'essayer ça. Attendez, je vous montre, c'est un résultat top. Voilà ce que ça donne. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais le résultat est vraiment cool et top. Ça fait vraiment... C'est top, j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment top. Autre chose que je n'ai pas abordé, c'est le bouchon. Très important aussi le bouchon. Alors là, par exemple, j'ai un tarage à 1-1. Je pense le laisser comme ça pour l'instant pour voir déjà ce que ça donne et le résultat. Parce que je ne sais pas ce que ça va donner déjà en enlevant le thermostat avec les deux ventilateurs en direct. Pause. Alors je m'explique. Je vous ai même pas expliqué à quoi sert ce bouchon de radiateur. Ce bouchon de radiateur sert à éviter les surpressions. Je vulgarise le truc bien entendu. Par exemple, avec ce bouchon qui est à 1-1, le point d'ébullition est à 100 degrés. Ça veut dire que quand elle arrive à 100 degrés, la vanne s'ouvre et vient recracher son eau dans le vase d'expansion pour recracher du vase d'expansion à par terre, parfois si la température est vraiment élevée. Moi, ce que je cherche, et nous, ce que nous cherchons, c'est d'augmenter ce point d'ébullition. Par exemple, avec un tarage à 1,6 à 115 degrés, par exemple. Pour avoir beaucoup plus d'endurance lors de mes spectacles. Enfin bref, j'arrête de vous casser les couilles. Bonne vidéo à tous. Pour l'instant, je vais le laisser à 1-1. Pour ceux qui se demandent de quoi il nous parle en disant le tarage à 1-1, c'est comme le thermostat. On va dire 1-1, ça va permettre qu'il se déclenche à une certaine température. Par exemple, s'il est à 1,6, eh ben, ça veut dire qu'il va se déclencher plus haut en température. Par exemple, celui-là, 1-1, que je vous dise pas de bêtises... Je me rappelle plus la correspondance, mais je vous redirai ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on laisse d'origine. On va laisser celui-là. On va pas se prendre la tête. D'ailleurs, si j'arrive à le mettre. Ah, voilà. Il y a un sens. Bon, et bien voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que j'ai pas traité sur le fait de comment j'ai chinté mes deux ventilateurs. Ne vous inquiétez pas, je le traiterai dans une autre vidéo qui va traiter sur le faisceau électrique. C'est-à-dire comment chinter le capteur d'angle, chinter la béquille, chinter votre embrayage de façon à pouvoir démarrer avec une vitesse, parce que c'est très important de pouvoir démarrer avec une vitesse. Parce que lors d'un spectacle, quand tu peux pas démarrer avec une vitesse et que tu te retrouves comme un con à essayer de trouver le point mort et que tu le trouves pas dans la panique, parce que généralement c'est ça, t'es dans la panique, tu sais pas comment faire. Ah putain, j'arrive pas à trouver le point mort, c'est toujours la galère. Donc ça traitera dans une autre vidéo qui traitera sur le faisceau électrique. D'ailleurs je pense que ce sera la prochaine vidéo. Je vous montrerai vraiment comment je vais tout chinter et surtout comment je vais créer un petit bout de faisceau avec un interrupteur et de l'impression 3D. Je pense que je vais vous montrer ça. La vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous kiffez comme moi ces belles durites rouges Samco. Franchement ça donne un look déjà de ouf. Il me tarde déjà de mettre tous les kits de visserie rouges Evotech, les petites pièces anodisées, beaucoup de petites modifications, ça sera encore une autre vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, ça me fait énormément plaisir et ça me motive encore plus. J'ai essayé de faire un format qui me plaît, je suis encore en train de chercher un petit peu mon format, je ne sais pas si c'est pas mal. J'essaie de faire quelque chose avec une intro, je sais que l'intro est longue, hein. Désolé, hein. L'intro est très longue, et malheureusement sur cette vidéo, j'ai été tout seul pour la filmer, donc c'est vraiment compliqué, parce que mon caméraman, Bubu, t'es en vacances, reviens vite Bubu, j'ai besoin de toi, reviens vite. J'espère qu'elle vous aura plu, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un like, ou vous abonner à la cloche si vous avez vraiment aimé la vidéo, pour suivre les autres vidéos qui vont arriver très prochainement, que ce soit au niveau du faisceau, que ce soit au niveau de la préparation de la fourche, changement du système de frein, tout l'équipe visserie, la couronne, très important, la couronne. D'ailleurs, j'ai pas remis le cache, on le remettra la prochaine fois, parce qu'il faut que j'enlève le pignon et que je remette la chaîne elle est déjà là, et j'ai tout, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis je vous aime, hein, voilà. Moi, je vais me resservir un café, parce que je suis vraiment fatigué. C'est fatigant de faire des vidéos.